BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va parler d'immobilier. Est-ce que c'est la fin de la crise de l'immobilier? Est-ce que l'immobilier ne doit pas s'adapter finalement à ses clients? En tous les cas, c'est ce qu'a choisi de faire Alain Taravella, qui est notre invité. Bonsoir Alain Taravella. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes président fondateur du groupe Altarea, c'est le deuxième promoteur immobilier. On connaît plus qu'Altarea, on connaît Cogedim et puis Woodium, maintenant que vous avez racheté. Et vous avez lancé en fin de semaine dernière une nouvelle offre pour permettre aux primo-accédants, enfin à la limite à ceux qui n'ont pas les moyens, de devenir propriétaires de le bien. On va y revenir. Mais avant, j'avais une question, juste un mot sur Altarea. Deuxième, c'est combien de logements? Quelques chiffres clés? Oui, quelques chiffres clés sur Altarea. On est effectivement deuxième promoteur de logements. On a fait l'année dernière 8000 logements, après en avoir fait 13000 il y a 4 ans. Donc, vous voyez la profondeur de la crise. Nous sommes également, nous faisons des bureaux, pas trop en ce moment. Nous sommes surtout propriétaires de commerce. Nous sommes une foncière de centres commerciaux qui assoit le groupe. Et puis, on développe beaucoup de nouveaux métiers, on développe les ENR, le photovoltaïque, on développe les data centers, on développe la logistique. Moi, j'ai un groupe diversifié, j'aime bien me qualifier d'entrepreneur de ville et donc de faire l'ensemble des métiers qui concourent à la création de la ville. Oui, ça, vous êtes un entrepreneur, on vous a suivi sur BFM Business. Puis vous me disiez en souriant, pour montrer la profondeur de la crise, avant j'étais milliardaire dans le classement de Challenge, maintenant je ne suis plus que millionnaire. Je ne vous demande pas combien, ce n'est pas tellement l'objet, mais en tous les cas, c'est dire quand même qu'il y a une vraie crise immobilière. Est-ce que vous diriez qu'on est vers la fin de cette crise immobilière, ou alors sinon, à quand la sortie de crise? Je dirais qu'on est dans la crise. Vous savez, on y est encore. On est dans la crise. Oui. Vous savez, à partir du moment où on voit le bout du tunnel, on n'est plus en crise. Moi, je ne le vois pas. Je ne vois pas le bout du tunnel. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une crise très forte, très profonde. C'est une polycrise. C'est lié à beaucoup de choses. Fondamentalement, c'est lié au fait que pendant 10 ans, 12 ans, les taux d'intérêt ont été à zéro ou quasiment, que cela a permis de faire beaucoup d'opérations. Les valeurs ont monté de façon peut-être excessive, mais ce n'était pas très grave, puisque de l'autre côté, les taux d'intérêt étaient faibles et que les clients pouvaient payer. Aujourd'hui, d'un seul coup, début 22, il y a eu une hausse des taux d'intérêt qui sont passés de 1 à 4 %. Il y a eu la guerre en Ukraine qui a fait monter les prix de construction de 15 %. Voilà, d'un seul coup, patatras. T'en vas la cruche à l'eau qu'elle se casse. Oui, mais là, on est quand même en 2024, 2 ans après ce que vous décrivez. Les taux d'intérêt, on l'a vu, les banques l'ont dit, sont un peu en train de baisser. Est-ce que, donc vous ne voyez pas la sortie du tunnel? Je ne vois pas aujourd'hui la sortie du tunnel parce que tout n'est pas encore réglé. Si j'essaye, vous savez, si je savais exactement ce qui allait se passer demain... je serais... milliardaire, ça y est, vous l'avez déjà été. Non, oui. J'allais le dire, mais je vais... je vais le dire. La dernière grande crise de l'immobilier, vous savez, j'ai une certaine expérience dans l'immobilier, ça fait très longtemps que j'en fais, c'est en 1989. Ça a duré, suivant la façon dont on compte, 5 à 10 ans. 5 à 10 ans pour que le marché s'adapte. Alors, je pense que ça fera moins de temps. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans la crise. On y est pour 24, on y est pour 25. J'espère qu'en 26, je prévois, moi, dans l'organisation de mon groupe, que ça va repartir en 26. Voilà. D'accord, oui. Vous n'avez pas fait de plan social à l'instar de Nexity? Non, je n'en ai pas fait. Parce concurrent et néanmoins forcément camarade, qui est le premier promoteur immobilier. Oui, je n'en ai pas fait parce que, comme je vous l'ai expliqué, nous avons beaucoup d'activités. Nous avons organisé la mobilité à l'intérieur de l'entreprise et nous faisons face sans plan social. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est tout à l'heure, il y a un communiqué de la Fédération bancaire française qui dit qu'elle est méfiante, voire contre la portabilité des prêts immobiliers, qui est une des propositions qui va être faite dans le cadre d'un projet de loi. Le président de la FNAIM a dit que c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que pour vous, c'est une des pistes
de sortie de crise, parce qu'évidemment, c'est ce qui peut permettre à certains qui ont emprunté à des taux bas de pouvoir racheter, y compris aujourd'hui, quoi. C'est normal que la fédération bancaire soit contre. Chacun est dans son rôle. Donc moi, dans mon rôle, je dis que tout ce qui peut contribuer à améliorer le sort de ceux des clients, des Français qui veulent changer d'appartement. Effectivement, des Français qui ont acheté un appartement il y a 7 ou 10 ans, qui maintenant ont, la famille s'est accrue d'un ou deux enfants, ont besoin de changer et ont et le fait d'avoir un crédit qui est aux alentours de 1,5 et 6. S'ils s'en vont, s'ils revendent leur appartement et qu'ils en rachètent un autre, ils réempruntent à 4. Oui. Donc, ça les bloque et ça bloque le marché. Donc, oui, la portabilité est une des solutions. Ce n'est pas la seule, c'est une solution qui est très bonne pour tous ceux qui sont déjà propriétaires et qui ont envie de changer, notamment pour s'agrandir compte tenu des besoins de leur famille. Oui, on verra la solution que vous proposez pour les primo-accédants. Vous dites souvent, et vous l'avez dit encore tout à l'heure, là, le marché du logement est en polycrise. D'abord, aujourd'hui, il y a combien de biens immobiliers, logements, bureaux, qui sont sur le marché? Est-ce qu'il y en a ou pas? Dans le logement, d'abord, il faut faire la distinction entre l'ancien et le neuf. Oui. Bon, ce qui est, pour vous donner quand même des proportions, grosso modo, l'ancien, c'est 800 000 à 1 million de ventes par an de logements dans l'ancien. Et dans l'immobilier neuf, c'était 150 000 et c'est redescendu aux alentours de 80-90 000. Donc, aujourd'hui, il y a effectivement une offre chez les promoteurs de logements neufs. Pas tant que ça, parce que les promoteurs ont fait ce qu'il fallait pour vendre. Ils ont adapté leur prix. En clair, ils ont baissé leur prix. Vous les avez bradés, quoi ? Non, on n'a pas bradé. On s'est adapté aux clients. Mais le sujet, c'est comme ça coûte trop cher de construire, ce que ne font pas les promoteurs, c'est lancer de nouvelles opérations. Ouais. Donc, ce que je dis, c'est pas qu'on va avoir des stocks. Ce n'est pas qu'il va y avoir des promoteurs qui vont faire faillite. Il va y avoir une baisse de la production. Il n'est plus possible aujourd'hui de construire et de trouver un client et de gagner un tout petit peu d'argent. Donc, il y a une réduction de l'offre et qui va réduire la production en France. Parce que justement, cette production, il manque combien de logements, vous trouvez, vous pensez, vous estimez? Je dirais que quand on voit, il y a plein de gens qui parlent, c'est 350, 400 000, 450 000. Mmh. Il y a 5 ans, on construisait 350 000 logements en France. Je dis toutes catégories confondues, neuf, maisons, logements sociaux, etc. On va être à la moitié. On va être à la moitié. En 2024, vous voyez à peu près... 200, 200, 220 000, 225 000. Donc, vous voyez la catastrophe économique. Il y a toute la chaîne qui est impactée. Bon, il y a des promoteurs, il y a des entreprises, il y a même les notaires, les agents immobiliers. Et même la France, puisque la baisse des frais de mutation est une des explications de l'augmentation surprise, on a envie de dire, du déficit de la France. Absolument, puisque l'immobilier, contrairement à ce qui se dit, rapporte de l'argent au budget de l'État. Et le fait d'arrêter de construire ou de ralentir la construction fait moins de recettes pour l'État. Tiens, une question, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, Alain Taravella, en disant que vous êtes finalement sans doute le meilleur, car le plus vieil expert de l'immobilier, donc de la crise immobilière. Comment vous expliquez qu'il y a eu, je ne sais pas trop combien de ministres du logement qui se sont succédés, il n'y a aucune politique du logement qui ait marché? Pourquoi? Oui, d'abord, vous avez raison, j'ai une petite expérience, puisque ça fait 55 ans que je suis dans le métier. Ouais. Donc, j'ai commencé... Et donc, vous avez connu à peu près 50 ministres du logement. Je ne les ai pas comptés. Le problème, ce n'est pas tel ou tel ministre. Le ministre actuel, il fait partie des bons, puisqu'il s'occupe quand même des problèmes. La question, c'est qu'il y a un ministre tous les 6 mois, tous les ans. Il n'y a pas de politique. Le logement, c'est quand même assez facile à comprendre. Entre le moment où on achète un terrain et le moment où on livre, il se passe 3-4 ans. Il faut avoir des permis, il faut se développer, il faut avoir une politique de long terme. Si aujourd'hui, le ministre, le gouvernement, prend une décision, les effets seront dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc, il faut que les politiques puissent considérer que le logement est un bien essentiel, c'est un bien essentiel, et que ça soit
programmer sur le long terme. On programme sur le long terme des centrales nucléaires. On programme sur le long terme des routes. Programmons sur le long terme des logements et faisons en sorte que la politique suive. Oui, le problème souvent, c'est que l'immobilier va lorsqu'il y a une fiscalité pour le soutenir qui est assez forte et qu'en ce moment, il y a l'État n'a plus d'argent. Donc c'est une des difficultés. Juste avant d'aborder la question de votre nouvelle offre, parce que vous dites qu'il faut inventer un nouveau logement. C'est ça que je trouvais très intéressant. Pourquoi il faut inventer un nouveau logement? C'est qu'en fait, la sociologie, la démographie française a beaucoup changé, a beaucoup évolué en quelques années. En fait, moi je dis, vous parlez d'immobilier, on parle de crise de l'immobilier, vous parlez de crise du logement. Il faut partir de ce que veulent les Français. Les Français, ils veulent un logement qui soit adapté à leurs besoins. Aujourd'hui, les Français, par rapport à il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est... D'abord, il y a beaucoup moins d'enfants, comme on le sait. La natalité française a baissé. Savez-vous qu'en 40 ans, le nombre de personnes dans une unité d'habitation, dans un logement, est passé de 3,6 à 2,1. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Il y a deux personnes en moins, quoi. Ce qui nous est demandé, c'est des appartements pour personnes seules, qu'elles soient très jeunes ou qu'elles soient âgées. Et ce qui nous est demandé, c'est des logements pour des jeunes couples qui ont envie de devenir propriétaires, qui ont 25 ou 30 ans, qui n'ont pas les moyens d'acheter un grand appartement, on va y revenir, mais qui ont besoin d'un logement adapté à leurs moyens. Et le sujet, c'est que je pense que notre devoir à tous, pas le mien, le devoir de tous ceux qui concourent au logement, c'est de se dire comment on fait pour loger les jeunes, notamment, qui rentrent sur le marché du travail, qui ont du mal à trouver un appartement en location parce qu'il y a un blocage. Et donc, c'est ça la démarche, c'est s'adapter. Aujourd'hui, nous avons une population avec des personnes seules, des couples qui divorcent. Donc, lieu d'avoir un grand logement, il en faut deux petits. Ouais, et donc vous construisez les T1 et les T2. Juste en 2018, il y avait seulement 10% qui vivaient seuls. Et en 2050, ça sera 30% de la population. Enfin, c'est quand même une mutation assez stupéfiante. Oui, c'est complètement. Alors il y a les personnes seules. Il y a aussi quand même, il faut, heureusement, beaucoup de personnes qui vivent à deux. Mais c'est vrai que les familles monoparentales deviennent importantes. Et les familles avec 2, 3, 4 enfants deviennent rares. Mais ouais. En fait, notre offre aujourd'hui, celle qui est préconisée par tout le monde, qui est notamment dans les principes d'aménagement des communes, il y a trop de grands appartements et pas assez de petits adaptés à cette sociologie. Alors justement, donc, comment la solution, votre solution, Alain Tarabella, c'est de lancer une nouvelle offre de logements neufs. Et notamment, c'est une offre que vous appelez Access, et qui est de faire des logements donc plus petits qui permettent aux primo-accédants d'acheter un appartement. Il y a des accords avec les banques, il n'y a pas de frais de notaire, il n'y a pas de frais de dossier bancaire, il n'y a pas de frais aussi intercalaires. Bref, la note est beaucoup moins salée. Comment est-ce que vous faites? Expliquez-nous. Voilà, d'abord, le principe, c'est effectivement de partir du besoin du Français, du client. Voilà. Et moi, mon raisonnement a été de dire, ce que je veux, c'est qu'un primo-accédant qui n'a pas d'argent puisse acheter un appartement pour le prix d'un loyer. C'est ça le thème ma volonté. Donc, je suis parti. Un couple qui gagne 3000 euros, il peut payer 1000 euros de mensualité. Avec 1000 euros de mensualité, combien on peut avoir de mètres carrés? Alors, il y a quand même une chose très importante qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, pour les primo-accédants, il y a un système qui s'appelle le prêt à taux zéro. Oui. Il y a les banques qui, en plus, aident les primo-accédants. Et donc, aujourd'hui, mais c'est pas une offre Altarea, c'est courant, vous pouvez acheter avec un taux d'intérêt moyen qui est de l'ordre de 1,50%. 1,50%. Donc, ce que je dis, c'est que vous êtes primo-accédant, vous avez aujourd'hui les meilleures conditions de financement possibles que vous n'aurez jamais plus. Parce que quand les taux baisseront,
le PTZ risque d'être un tout petit peu réduit également par l'État. Donc aujourd'hui, on peut emprunter à 1,50, ce qui est quand même assez formidable. Et donc, ce que je dis, c'est 1 000 euros. On peut grosso modo s'acheter un appartement pour 250 000 euros. Il faut que le propriétaire potentiel n'ait rien à payer, pas d'apport. Donc le principe, c'est qu'il paye 500 euros au départ et il paiera 1 000 euros quand il rentrera dans les lieux. Rien entre les deux. Donc tout ça, ça a un certain coût. C'est pris en charge par nous. Et à partir de ça, on fait le décompte à l'envers. On rediscute le terrain. On rediscute les coûts de construction. On rediscute notre marge, hein, pour être clair, nos frais de fonctionnement. Et puis, on fait aussi des appartements qui sont peut-être plus compacts, mais qui sont parfaitement... qui marchent très très bien. Donc on fait quelque chose qui peut être adapté. On a commencé sur une opération à Villeneuve-la-Garenne, dans le 92, où les gens... On a fait une réunion avec... on a commencé par les gens qui habitent à Villeneuve. Et ils disent, mais comment c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible à condition que tout le monde fasse un effort. Mais l'effort, il doit être fait par nous, il doit être fait par les collectivités. Et voilà, par les collectivités sur le prix du foncier. Ouais, sur le prix du foncier et sur le fait que, notamment, alors que la sociologie française n'est pas celle-là, qu'on ne nous impose pas un tiers, parce que grosso modo, il y a beaucoup de maires qui réclament un tiers de grands logements. Ouais. On ne sait pas. Il n'y a personne pour aller là-dedans. Je ne dis pas... Si, il y a un peu de monde. Mais ce qu'il faut, c'est faire des logements parfaitement adaptés, à des tailles raisonnables, pour les primo-accédants, qui sont en général des jeunes couples avec enfants. Et là, donc, par exemple, dans le projet là, 640 logements que vous avez lancé, ça y est, il y a combien de petits appartements ou de grands appartements, si on prend le problème dans l'autre sens? Il y a grosso modo... 15% de 4 et 5 pièces, il y a 70% de 2 et 3 pièces, et puis il y a 15% de studio. Donc ce qui est réclamé par les clients, mais par les Français, par ceux qui veulent se loger, je dirais par les jeunes, c'est soit des 2 pièces quand on n'a pas encore d'enfants, soit un 3 pièces, alors plus ou moins grand, on s'adapte. Mais ce qu'il faut, c'est que l'immobilier... jusqu'à présent, le logement, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut laisser les Français choisir leur mode d'habitat. Il y en a qui préfèrent habiter dans un appartement plus petit et pouvoir acheter une voiture plus importante ou plus grand et faire un certain nombre de sacrifices sur d'autres choses. Ce qu'il faut, c'est que ce qu'on offre aux Français soit adapté à leur situation. Et ça, ce que vous faites à Villeneuve-la-Garenne, vous allez multiplier dans d'autres villes, autres oui. qu'en Ile-de-France. Vous avez envisagé quoi, 5 000 Pas tant que ça. En fait, Villeneuve-la-Garenne, en un mois, on en a vendu 100. Oui. Notre objectif, c'est sur la région parisienne, enfin sur l'ensemble de la France, d'en vendre 1 500, pas simplement à Villeneuve-la-Garenne. Oui. Et l'année prochaine, ça représentera 50% de notre production. Je pense que c'est une des solutions, mais je pense que tout le monde, tous les élus, les gouvernants devraient être sensibles au fait de favoriser la primo-accession. Juste en 3 secondes, la crise du logement social, des HLM, comment est-ce qu'il fallait la résoudre? On vous dirait à l'Intervalle, il faut la résoudre, ça serait quoi en un mot, en une phrase? Laisser relancer la production libre, puisque la production libre finance beaucoup le logement social. Voilà, comme ça, vous la bouclez. Merci, merci d'être merci venu beaucoup. Ici dans le BFM Business. En interview avec Alain Tarabella, donc le patron de Altarea, qui se lance dans une nouvelle forme de logement neuf. Merci beaucoup.